Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer, comme vous voyez sur l'image, c'est l'usine de production de l'eau potable. Pourquoi nous voulons faire une répétition de cette vidéo? C'est parce que il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés sur les deux vidéos que nous avons faites sur l'usine de l'eau potable semi-automatique et automatique. Et ici, sur cette vidéo, nous allons vous montrer des machines, des prix. Et aussi, nous faisons cette vidéo parce qu'en Afrique, nous avons besoin de l'eau potable et c'est une industrie dont tu peux te faire des bons revenus. Alors, nous te demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter et d'en savoir plus sur cette industrie de l'eau potable. Ça va vraiment beaucoup t'aider sur tes investissements. Salut encore sur cette chaîne Investir chez nous. Nous sommes très ravis de vous avoir ici. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'usine de production de l'eau. Comme vous voyez sur la photo, sur la vidéo, nous allons parler des salles de production de traitement de l'eau. Comme vous avez vu, les containers que vous voyez en silva, ce sont des containers de salles de traitement de l'eau. C'est ici, c'est la maison où vous allez traiter de l'eau. Et de l'eau va passer par toutes sortes de ces machines que vous voyez, très sophistiquées, qui vont faire le traitement de l'eau afin que vous puissiez avoir de l'eau pure pour vos clients et produits. Regardez comme ces machines ici, qui sont en train de traiter de l'eau, de vous donner la température de l'eau qui est traitée. Et cette machine ici va vraiment aussi vous donner la qualité de l'eau. Donc ici, on va faire les pH, on va faire les pH, et puis l'eau pure sera mise dans ces containers ici que vous voyez. Et à partir de ces containers là, c'est l'eau produit qui est pure déjà. Et ces containers va passer à l'usine de remplissage et de bouchonnage. Alors ici, j'allais juste expliquer que avant de passer au remplissage et bouchonnage, l'eau est traitée dans cette salle de traitement. Alors, Investir chez nous a une collaboration avec Aquapuro, comme vous voyez sur les logos au-dessus. Nous sommes des représentants de Aquapuro aux États-Unis et en Afrique francophone et anglophone. Nous représentons Aquapuro, c'est une industrie qui fabrique des machines pour production de l'eau. Alors, toute personne qui voudra investir dans cette industrie, il peut passer sur Investir chez nous. Le numéro de contact est là. Contactez-moi, Investir chez nous. Je vais vous donner les détails sur des machines dont vous pouvez payer pour la production de l'eau. Et moi, comme partenaire officiel d'Aquapuro, je peux vous aider à payer des machines pour la production de l'eau. C'est vraiment un bon business. Alors ici, j'aimerais vous dire que cette vidéo que vous voyez là, c'était les préformes. Ce sont les bouteilles qui entrent dans cette machine automatique qui va être mise à une température élevée, qui va faire fragiliser ces préformes. Et en fait, ces préformes deviendront des bouches de bouteilles. Et vous allez voir, après que ces préformes, donc ça c'est une machine d'essoufflage de bouteilles automatique. Et cette machine peut valoir aux environs 25 à 28 000 dollars. Donc ça c'est automatique. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des machines semi-automatiques qui vont aux environs 3500 à 5000 dollars. Donc ici vous voyez cette machine, ça essouffle des bouteilles de 1 litre, 2 litres, 5 litres, 1,5 litres et c'est automatique. Et c'est comme ça que les bouteilles sortent afin de les mettre dans cette machine de remplissage. Donc après avoir mis les bouteilles maintenant sur la machine de remplissage, comme vous avez vu le monsieur au début, c'est lui qui est en train de mettre ces bouteilles manuellement. Si tu veux, tu peux le faire aussi automatiquement. Ces bouteilles viendront d'abord dans cette machine de remplissage. Cette machine a trois points. Le premier point, c'est le nettoyage. Le deuxième point, c'est le remplissage. Et le troisième point, c'est le bouchonnage. Donc, ça va mettre les bouchons. Donc, les bouteilles qui seront entrées dans cette machine va d'abord être nettoyées et puis va être remplies avec de l'eau pure. Et cette eau pure, comme vous voyez, est connectée directement avec les tonneaux dont nous avons montré dans la salle de traitement d'eau. Et ici, comme vous voyez, les bouchons sont aussi mis automatiques. Regardez comme les bouchons montent sur les conveyeurs, donc sur cette belle, et ça va directement entrer comme cette machine est en train de mettre le bouchonnage. Vraiment, c'est vraiment une technologie à haute dimension. Aquapuro, c'est une industrie qui fabrique des machines à haute dimension. Moi, j'ai décidé de faire le partenariat avec eux, c'est parce que leurs machines, moi-même, je les ai utilisées et leur machine est vraiment de haute dimension. Alors, si tu as besoin de te lancer dans une usine de production de l'eau, qui est une usine dont
tout Africain qui veut passer dans l'industrie doit se lancer. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons besoin de l'eau potable et l'eau pure pour tout le monde. Parce que nous voyons que nos gouvernements n'ont pas vraiment fait des efforts à changer les tuyaux d'eau pour que nous puissions avoir de l'eau propre et de l'eau pure. Alors ici, maintenant, nous allons passer à l'étape d'étiquetage. Et cette machine, nous les vendons aussi. C'est une machine qui va mettre les étiquettes. Ici, vous voyez, ce sont des étiquettes à une dimension, donc à une seule face. Et ces étiquettes sont mises manuellement. Et ici, ça, on appelle ça, ce système est appelé BOPP. Pardon, ça, c'est pas BOPP système, mais ça, c'est les string labeling. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est un système qui met les étiquetages dans un même, dans une face de bouteille. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les mettre dans toutes les deux faces. Ça sera un peu coûté, mais nous conseillons aux gens de faire les étiquetages de bouteilles dans une seule face seulement pour économiser dans les étiquettes. Alors ici, nous allons encore vous remontrer, ça c'est l'usine en question. Donc ça c'est même le cœur de l'usine de traitement de l'eau. Donc ça, on appelle ça la salle de traitement de l'eau. Et ici, ça dépendra de vous. Si vous voulez que les sources de l'eau puissent, ça on appelle ça RO plant, donc reverse osmosis. Donc c'est un système qui traite de l'eau sans pour autant utiliser les engrais chimiques ou bien les histoires chimiques. Donc ça traite de l'eau automatiquement. Ici, Aquapuro va aussi vous donner les laboratoires, les équipements des laboratoires. Ça dépendra. Dans d'autres pays africains, vous n'avez pas besoin d'avoir les laboratoires dans votre usine. Et dans d'autres pays africains, c'est obligatoire. Comme par exemple au Congo, Kinshasa chez moi, les laboratoires vraiment sophistiqués ne sont pas vraiment très très suivis. Mais toi-même, tu peux installer les laboratoires à la maison et tu pourras, pas à la maison, mais dans ton usine, et tu pourras commencer à faire les tests de ton eau. Comme je vous ai dit dans le début de cette vidéo, ici c'est la machine dont je vous ai dit qui va coûter aux environs 5 000 $. C'est la machine aussi de soufflage des bouteilles, mais c'est une machine semi-automatique. Comme vous voyez, il y a une personne, il y aura un employé qui sera là et qui va commencer à mettre les préformes, et les préformes seront essoufflées dans des formes de bouteilles comme ça, et prendre maintenant ces bouteilles, les mettre dans ces conveyeurs qui va aller directement dans la machine de remplissage, nettoyage, remplissage et bouchonnage. Comme vous voyez, le monsieur debout qui va aller passer à cette machine qui s'appelle Bottle Filling Machine. Donc c'est ça. Donc ici, c'est le remplissage, machine de remplissage. Vraiment, j'ai vraiment une connaissance sur sur la production de l'eau potable. Et si vous voulez payer des machines avec nous, moi-même, je vais vous donner vraiment une connaissance avant même d'investir dans ces business. Car je dis souvent aux gens qui m'appellent, avant de te lancer dans un business, tu dois au moins avoir 20 à 10% de connaissances de comment ces business fonctionnent. Alors, je vais vous dire encore comment ces business est très génial pour vous, les gens de la diaspora. Si vous voulez investir dans ces business, cette machine vous dira combien de bouteilles ont été produites par jour. Donc, même si tu vis en France, aux États-Unis, partout, tu connaîtras combien de bouteilles par jour, bien combien de tonnes, bien combien de bouteilles a été produit avec cette industrie par jour. Parce que il y a des systèmes d'ordinateurs qui sont connectés et qui peuvent commencer à t'envoyer des messages. Et tu peux aussi installer des caméras sur ton usine. Donc, et tu pourras commencer à visiter ton usine peut-être 3, 4 fois ou 6 fois par année. Donc, vraiment, c'est un bon business. Et aussi, le secret, c'est d'avoir des bons travailleurs. Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est l'usine. Ça, c'est, on appelle ça les filling machines. C'est l'usine qui fait les remplissages, les nettoyages et les bouchonnages. Donc ici, ça, c'est le bouchonnage automatique. Cette usine, je vous dis franchement, ça sera toujours automatique. Nous ne voulons pas vous vendre une usine de remplissage manuel. Donc, usine automatique, ça sera toujours automatique. Et les plus petits commencent aux environs de 16 à 18 000 $. Et nous allons voir la qualité, la quantité de combien de bouteilles par heure vous voulez remplir. Donc c'est pour cela que nous vous demandons de nous contacter, investir chez nous. Nous allons vous donner une idée, une formation sur comment cette usine fonctionne et combien de bouteilles par heure, par jour vous voulez commencer à produire. Et nous serons capables maintenant de choisir quelle sorte d'usine dont vous voulez vous lancer. Nous avons fait une vidéo qui parle de machines automatiques et semi-automatiques. Si vous n'avez pas encore regardé ces deux vidéos, nous vous demanderons d'aller sur la carte au-dessus. Vous allez voir ces deux vidéos sur l'usine de l'eau potable automatique et manuelle. Et ici, c'est une des façons dont tu peux mettre les étiquettes. Il y a plusieurs façons dont tu peux mettre les étiquettes. Ça s'applique souvent pour les bouteilles en rectangle, en carré, en rectangle.
Mais pour les bouteilles en rond, on utilise le système de BOPP. Donc, c'est une machine qui met des étiquettes sous forme de rouleau. Mais pour les débuts, nous demandons aussi aux gens de mettre les étiquettes manuellement parce que ça coûte moins cher comme ça. Donc, nous allons vous proposer toutes les solutions pour que ces solutions puissent être applicables avec votre budget. C'est pour cela que je demande toujours aux gens, c'est quoi votre budget? Donc, si tu me donnes ton budget, nous pourrons te faire un design de machine qui va vraiment aller avec ton budget. Ici, on appelle ça la machine qui met les dates sur les bouteilles. Donc, c'est un peu ça. Parce que chaque bouteille doit avoir des dates d'expiration. L'eau que tu vas transformer avec nos machines pourra avoir une date d'expiration de 2 ans. Alors, avec cette petite machine-là, tu peux commencer à mettre les dates d'expiration. Alors, ici, ça, c'est la machine d'emballage, pas d'étiquetage. Donc, parce que beaucoup de gens se confondent avec la machine d'emballage et l'étiquetage. Donc, nous avons déjà fini l'étape d'étiquetage, remplissage. Nous avons fini l'étape de traitement de l'eau. Maintenant, là, on met les emballages. Donc, ça dépendra de vous. Vous voulez mettre les emballages de 3, de 6, de 12, de 24, comme vous voyez. Ça, c'est la machine d'emballage automatique. Et pour cette machine aussi, nous pouvons aussi vous orienter si vous devez payer ces machines automatiques ou semi-automatiques. Nous demandons toujours aux gens de commencer avec les machines semi-automatiques avant de passer sur les machines automatiques. Parce que automatique comme ça, c'est un peu coûteux. Parce qu'en Afrique, la main-d'œuvre est moins chère. Donc ici, quand tu as semi-automatique, tu auras un employé qui sera debout ici, qui va commencer à mettre ces bouteilles à l'intérieur. Et ça, c'est ça même la machine, c'est ça même l'industrie de l'eau. Nous avons les remplissages. Nous faisons aussi des jus. Donc, si sur les gens qui veulent payer des machines pour des jus, nous sommes là aussi, Aquapuro. Donc, mes partenaires ont aussi des produits pour la machine des jus. Je ne vais jamais arrêter à vous demander de vous abonner car quand vous vous abonnez, YouTube permet à plusieurs personnes de voir nos vidéos. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Notre numéro de contact est là sur la vidéo. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou aussi sur Telegram. Alors ici, nous vous demandons de vous abonner et de partager cette vidéo massivement avec les membres de vos familles. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes là. Comme nous avons montré au début, ça c'est la machine qui remplit les bouteilles et c'est ça. Ça, les capacités ici, comme vous voyez, vous avez vu le numéro 12, c'était ça le dernier numéro. Donc, ça, c'est une machine qui a 12, 12, 6. Donc, ça veut dire que ça nettoie 12 bouteilles, ça remplit 12 bouteilles et ça met les bouchons sur 10 bouteilles. Donc, c'est 12, 12, 6. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend. Tu peux avoir 20, 20, 18. Tu peux avoir 40, 40, 24. Donc, ça dépend. Donc, le plus de bouteilles que tu remplis, ou bien tu nettoies, c'est ça même la vitesse de bouteille par heure. Et c'est de plus aussi, les budgets augmentent. Vraiment, nous voulons vous orienter à se lancer dans ces business. Alors, contactez-nous, nous allons vous donner des machines, nous allons vous vendre des machines de bonne qualité qui vont vous permettre de faire des retours en investissement très rapidement. Vraiment, ça va vraiment vous aider. Donc, contactez Investir chez nous, nous allons vous connecter avec nos partenaires Aquapuro. Donc, c'est une industrie qui fabrique beaucoup, beaucoup de produits comme les produits de l'eau, les produits pour les jus et même pour les jus énergétiques. Donc, nous sommes dans tout. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, regardez les 2 autres vidéos qui sont sur la carte. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de les partager massivement avec vos frères, vos amis sur vos réseaux sociaux, Facebook, sur vos groupes WhatsApp et nous allons nous voir prochainement.